attention que finalement l'expérience ne soit pas contre-productive, parce que le football est un sport où il y a très peu d'arrêts de jeu. Et il ne faudrait pas que la vidéo vienne casser ou dénaturer le jeu. Et c'est ça le danger. Donc il faut vraiment bien cibler les actions, les situations de jeu où la vidéo pourrait apporter effectivement un plus. Mais encore une fois, il faut être très très prudent et s'assurer effectivement que l'expérience peut aussi avoir un effet bénéfique.